Nous sommes sur une ligne musée aux Pays-Bas, mais cette machine appartient à un modèle qui a circulé dans de très nombreux pays. Il s'agit d'une 030T, construite à près de 400 exemplaires aux États-Unis entre 1942 et 1944. Elle était destinée à accompagner les armées américaines et britanniques sur les fronts de l'Europe et du Moyen-Orient pour effectuer les manœuvres dans les ports et les grands centres ferroviaires utilisés par les armées alliées. Après la guerre, un grand nombre de ces machines ont été recyclées à des emplois civils, tout particulièrement en France, où la SNCF les a immatriculées 030TU, et en Yougoslavie. De nos jours, quelques exemplaires sont encore employés quotidiennement dans des mines en Bosnie, en Serbie et au Kosovo. Nous voici maintenant en Allemagne où de nombreuses locomotives sont aujourd'hui préservées en état de marche. Elles proviennent aussi bien de la Deutsche Bundesbahn qui exploitait les lignes de l'Ouest que de la Deutsche Reichsbahn qui a employé ce mode de traction plus tardivement à l'Est. Voici, en tête de trains spéciaux, des machines unifiées originaires du réseau de l'Est.
Les chemins de fer tchécoslovaques ont largement utilisé les locomotives de type 241 en tête des trains rapides et express de voyageurs. Cette superbe Mountain, série 486, tracte aujourd'hui des trains spéciaux en Slovaquie. Cette autre Mountain, série 475, circule fréquemment en République tchèque. Changement de décor. Nous sommes maintenant dans le nord de l'Espagne, en Catalogne précisément, où cette locomotive articulée, système Garat, remorque un train spécial. Il s'agit d'une double Mikado, chauffée au fioul, qui appartient à une série mise en service assez tardivement sur le réseau national de la Renfe en 1961. Et pour terminer, quelques images d'une machine américaine vraiment exceptionnelle. La Challenger de l'Union Pacific, à disposition d'essieux 230 plus 032, un monstre de 3900 chevaux, pesant avec son tender plus de 470 tonnes.